So far, Dorothée has only helped with one rhino delivery. It marks a crucial moment for her. Bien, ma fille, come. Come here, come. Super, ça. Good job. Good. To monitor the pregnancy, she regularly performs blood tests. Oui, voilà, Bess. Come here, come. C'est bien, ma louloute. C'est bien. Salut, ma belle. Je place un petit garrot au niveau de l'oreille. Super. C'est bien, ma fille. Pour faire gonfler ses veines. On fait cette prise de sang à peu près tous les mois, de façon à pouvoir suivre son taux de progestérone. Progestérone, c'est un peu l'hormone de la gestation. Et donc, elle va augmenter durant la gestation. Et cette hormone, ce dosage, va aussi nous indiquer le moment de la mise bas. If everything goes to plan, this is what Dorothée hopes to see with Beth. After a 16-month gestation period, it will take only a few seconds for Beth to give birth to the baby, which already weighs about 40 kilos. In a natural environment, the newborn has to stand up as soon as possible to escape predators. Here, the mother uses her horn to prompt him. Dorothée prays for this small miracle to happen with Beth. In the rhino's pen, today is the big day. Elle les approche. Je sais pas si elle a encore du foin ou pas. Dorothée was right. She wasn't able to witness in person the birth that took place last night. Thanks to the surveillance cameras, she's found images taken during the night. On voit Bess avec son petit bébé. Il a l'air tout à fait normal en termes de proportion, de ce qu'on peut en voir sur la caméra. Ça fait une quarantaine de kilos à peu près. Alors, elle est très grande, donc il paraît forcément un peu plus petit. The female has just delivered her baby. It is impossible to go and see them for the moment because Dorothée absolutely wants to avoid disturbing her. Parce qu'elle doit être en train de manger. She is watching her every move because she hasn't seen the baby suckle yet. Il faut qu'on puisse confirmer qu'il a accès à la mamelle et qu'il est tété. Il a besoin d'eau, d'énergie, et donc il a besoin du lait de sa maman. Et en plus, ce premier lait qu'elle émet les premières heures, ce qu'on appelle le colostrum, c'est aussi bourré d'anticorps. Et du coup, il en a besoin pour se défendre contre d'éventuelles bactéries, virus. Et donc, c'est important qu'il puisse profiter de ce colostrum rapidement. Ça fait combien de temps qu'il est couché? Ça fait bien 10 minutes qu'il est couché. 10 minutes. In order to avoid interfering with the first breastfeeding, nobody can have direct contact with the animal. Not even Dorothée, who is growing impatient. Moi, j'ai hâte de le voir vraiment téter et se reposer à côté de sa mère. J'aimerais bien la voir aussi se reposer, elle, un peu plus, pour que le petit puisse aller accéder à la mamelle éventuellement quand elle est couchée. But after many hours on the lookout... Ah. Elle recule la patte, c'est vachement bien ça. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Il s'est rapproché de la mamelle. Et du coup, on voulait voir s'il allait téter ou pas. Mais ce qui est super positif, c'est qu'elle n'a pas bougé. Et elle a reculé sa patte, viens voir, viens téter. And as good news comes in pairs, a few moments later, Beth's baby starts suckling.
Now Dorothée gives herself permission to go and see the young mummy and baby in person. Hop là! Salut Bess! Salut ma belle! Bonjour ma louloute! Bonjour Bess! Alors, ça roule? Bonjour! Oh. T'es une super maman ça! Bah oui, tu le protèges! Il est trop beau ton bébé, oui. Oh, on n'oublie pas les caresses quand même, hein. Oui, oui, c'est moi. Super, ma beauté. Oui. On va te donner un peu de granulé, Louloute. Oui, va téter. Il est péchu, hein. T'as vu, les pattes, les ongles, il pose pas encore non, par terre, c'est trop chelou. C'est une grande raquette, c'est impressionnant. C'est comme s'il y avait un énorme coussinet en dessous. Il a des chaussons, Des chaussons rhino. Vous avez une petite tête, mais c'est tellement disproportionné. Oui, t'as bien bossé, ma Bess. Allez, on va te laisser tranquille. Oui, on en a, on y va. During the first days of his life, the little rhino should gain about 2 or 3 kilos a day. On n'a pas voulu rester trop longtemps. On a regardé surtout Bess, son comportement, et puis le petit rhino, s'il tient bien sur ses pattes, il est tonique, c'est super. Thanks to the commitment and hard work of Dorothée and the nurses, there is now a new white rhino on Earth. A century ago, they were on the verge of extinction. There are now 20,000 around the world.